Alléluia, acclamons les rois des gloires, acclamons-les. Mambo chalere mesusa prade varoujaba. Mazozo prozige belemendo zozo proziga balagatus. Mazuza atege bojina mayato boscodias galatus. Alléluia. Papa, totomolio lisusu na kachesika na pokwa lelo. Une fois de plus, nous t'élevons en ce lieu ce soir. Tokumba beli monene na yo. Nous nous prosternons devant ta grandeur. Les dieux qui ne changent pas, mais qui changent toutes choses. Zambo ya bongo na kate kasi ya bongo la kanyoso. Oza zambe monene, incomparable Dieu. Tu es un grand Dieu, un incomparable Dieu. Merci pour nos sans ayasika. Merci pour ce nouveau mois. Tu nous as gardé. Nombreux n'avaient pas voulu que nous puissions entrer, mais nous voici. Nous disons merci de tout cœur. Merci 1 million de fois. Et durant ce mois de la percée. Merci pour la révélation et la parole. Merci pour la révélation de ta parole. Merci pour tout ce que tu as préparé avant. Toute la gloire revient à toi seul. Ce soir, ouvre nos yeux pour que nous comprenions ce que nous devons comprendre pour notre percée. Et tu jure que nous devons faire le coup. Et nous jurons te rendre. Parce que vous avez car tu es Dieu qui accomplit ces paroles. Moi, de juin, ils ont déclaré moi de percer. Que ce mois est déclaré notre mois de la percée. Et percer, ils la partage à chacun. Na combo na Yesu Masia. Merci mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Tosambeli. Amen. Amen. Alléluia. Tokokiko vanda. Nous pouvons nous rasseoir. Nayambi on a sansa ya percé. Est-ce que moko ko ganga percé? Lo bango trois fois percé. Bete la Yesu maboko makasi. Acclamez fortement Jésus-Christ. Ce qui n'a bengi Claudie Amatawa et Jonathan, tu peux venir ici. Si j'appelais le frère Claudie et le frère Jonathan de montrer. Voilà, ils ont bien l'ingozou, ils étaient opposés, ils ont bien. Voilà. Dengi bo mati bo tala na bo kanga maboko na bino. Alléluia. Kanga maboko. Yo talangaye. Regarde-moi. Bo dengi ba kangi maboko. Est-ce que Zela est allé? Non. Il n'y a pas d'accès. Alléluia. Amen. Mais non, fongola zela. Qu'est-ce que j'ai fait? N'a percé. L'homme de Dieu a kaka boyoso percé makambo yoso za ustak na vina yo. Na kombo na Yesu Masia. Cela dit kangama boko. Cela dit percé zanini. C'est quoi la percée? Ozo mona obstacle. Tu vois un obstacle. Ozo mona loco blocage. Tu vois un blocage. Mais par la connaissance. Nanzela boyebi. Tu perces. Tu viens et tu perces. Tango ozo ya nzela eza débloqué. Pendant que tu viens la voix. Na sakoli ozo percé loco yo ozo bloqué. Na kombo na Yesu Masia. Alléluia. Na dictionnaire balobi percé c'est ouverture. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouverture. Merci. Basalini. Voilà. Ouverture qui ménage un passage ou une perspective. Ouvrir une percée dans une forêt. Au début, il y a une forêt. Zamba, il n'y a pas d'ici, il n'y a pas de chemin. On va créer une zela. On ferait un chemin. Azo kata, kata, azo kende. Une zela, il y a une nam lichette, azo. Il n'y avait pas de boye zamba zo pesa o percé total na sanza oyo. Ezala na libala, ezala ba fe na yo, ezala musala, zamba zo kaye percé po na yo. Na kombo na Yesu Masia. C'est ce qu'on appelle percé.
avec cette simple illustration. Namwa moke to moni to soso nini ko dusola. Soki mama linga bota. Lorsqu'une femme vient, moi nazo lukanzela yako. L'enfant cherche la voie pour se rendre. Akoriko baluka. Commence à tourner. Azo tuntu kana katwana. L'enfant fait des gestes. Alléluia bima. Car il veut sortir. Alléluia. Amen. Il y a des choses. Ezana makambo. Avec la connaissance. Nabo yebi. Tu peux percer. Eko sunga yodu sola. Et nandimi sans oyo. Et je crois que ce mot. Ozo vivre percé total. Oko du sola na nyoso. Ezana la likambo songolo. Ozo zwa percé au nom de Jésus. Alléluia. 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 Deuxième définition à l'obi, l'action. Mosala. Action de percer, de rompre les défenses d'un adversaire. Eza musala ya koleka. Ozo longola nyoso monguna tcheli yo pwete yo lekate. Adversaire a tche yo kal. Me yo o rompe yango. Obuki kal wana oleki. Merci oleki. C'est ça obengi percer. C'est ce que nous appelons. Tu as t'entraîné là. Percé total. Amen. Percé total. Au nom de Jésus. Luc chapitre 6 verset 40 et Toko yambali lo abomo na butu ya lelo. Lelo il y a Jean-Baptiste oyo akopambola biso. Luc 6, verset 46 à l'obé. Et pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis. Alobi, ponanini bozo benganga kolon kolo. Kasi bozo salate o nazolo banabino. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis. Ponanini bozo bengangai kolon kolo. Kasi bozo salate o nazolo banabino. Alléluia. Yango mama ya Yesu alobi. Tout ce qu'il vous dira de faire, fais-le. C'est la raison pour laquelle Maria alobaki nyosa kolobanabino bosala. Bosala yango. Zambe asalaka exception ya mutute. Dieu ne fait exception de personne. Alléluia. Il est juste à tout le monde. Aza sembo et pa ya moto nyoso. Mais la connaissance est la matière principale ce que l'on veut vivre percé. Kasibo yebi ndeze lokwa motuya we kosunga yo odusola. Yango alobi mon peuple sont détruits faute de la connaissance. Tati na bili botala nga ezo kufa po bazangi boyebi. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Est-ce que yebi ke za réalité beaucoup de chrétiens nous sommes là to benga Yesu Zambe Seigneur to sembla hein. Mais on ne fait pas ce qu'ils nous disent de faire. Or, votre percée est liée à l'obéissance, soit à la pratique de ce qu'ils te demandent. Mais malheureusement, nous ne baissons pas. Mais nous voulons la percer. Et pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis. Verset 47. Et je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Et qui attend mes paroles et les mettre en pratique. Ça ne suffit pas. Pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous dis. Le fait d'écouter la parole n'est pas un problème, mais le vif du sujet se trouve au niveau de la pratique. Talatina lobi bozo benganga kolon kolo kasi bozo salate o nazo sengabo. Verset 47. Verset 47, version Darby. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi et qui entend mes paroles et les met en pratique. Et les met en pratique. Nani aza prêt qu'on mette en pratique la parole de Dieu na sans oya percé. Qui est prêt à pratiquer la parole de Dieu durant ce mois de la percée? Et loko mon côté ko borke percé na yo.
Aucune chose ne pourra empêcher. Pourquoi je dis ça? Mon côté n'a pas et coco bloqué l'accomplissement de la parole. Aucune chose sous le soleil peut empêcher et tel iloba et coquissama. Quand tu vois percer dans la vie de quelqu'un, c'est pas un hasard. C'est pas par hasard. Il y a des choses qui est en marche. Et cette chose n'a nous connaissance. Et c'est ce que nous appelons la connaissance. Continuez, 48. Et qui entend mes paroles et le met en pratique, oui. 48. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison et qui a fouillé et creusé profondément et a mis un fondement sur le roc. D'autres m'ont dit sur la parole de Dieu. Amen. Mais une inondation étant survenue, les fleuves s'est jeté avec violence contre cette maison. Et il n'a pu l'ébranler car elle avait été fondée sur le roc. Alléluia. Amen. Mon peuple Yosea, quoi qu'il arrive, et coco ça ne pourra renverser. Parce qu'ils ont bâti sur les rocs de la parole de Dieu. Car elle est bâtie sur les rocs qui a dit. Parce qu'Alobi, il est semblable. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi et qui entend mes paroles et les mettre en pratique. Na koteli sabino batunyo so bakokani lokola moto nyo so ayepananga ayoki liloba pe asaleli yango. Yango FC Josué tango azui releva lobi. Cette parole de la loi. Maloba o ya mobeko. Tu dois méditer sur cela jour et afin que tu aies la capacité de mettre en pratique et c'est ainsi que tu vas réussir, tu vas prospérer, tu vas avancer. Il y a des connaissances, il y a des révélations de la parole de Dieu où il y a que Moutou a percé dans la vie. Alléluia. Amen. Injonction ya Zambe, instruction na epona Josué. Parole oyo elongwa na misu na yote. Que cette parole ne quitte pas ta bouche. Eza na musikate na munoko nayo. Que ne s'éloigne pas de toi. Il faut kanisa ngo butumoi. Tu dois y méditer nuit et jour. Boko sala oyo ekomami na kati. Pour agir conformément. Abina boyende yoko longa. C'est ainsi que tu vas réussir. Lo sambo na ngai oko vivre percé. Malgré obstacle. Percé, Isaïe, loco. Obstacles, c'est un problème na yote. Obstacles sont là, mais quand nous parlons de percé, percé a tout cela qu'un obstacle. J'aimerais te dire que les obstacles, ce n'est pas ton problème, mais étant donné que tu es censé percer, tu vas passer par cette histoire. Alléluia. Amen. Isaïe, c'est un peu comme ça. Moi, ce qui est tout, c'est que je m'attaque, partager na biso. Na butu alelo to beteli Yesu maboko. Est-ce que mutumoko aza prête ko yamba liloba liloba bomoi? Alléluia. Tele ma betela Yesu maboko makasi. Na lingi fim matadi deke ofungoli liloba boy. Basela kani kote. Batelemi. Deke obani kote après baba. Deke otelemi ata oye ofungoli kaka liloba. Basali nini? To yamba mama betela Yesu maboko makasi. Quelqu'un qui a eu une rencontre palpable avec le Dieu vivant, il peut acclamer très fort pour Jésus. On a eu multiples rencontres avec le Dieu vivant, Jésus-Christ, le véritable, acclamons-le très fort. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te rendons grâce. Merci pour ce temps favorable que tu as déclenché pour ton église FIM.
Nous te rendons grâce pour le réveil individuel et collectif. Nous te rendons grâce pour la réforme et la restauration des valeurs dans notre église. Merci pour ta suprématie encore ce soir. Quand je dis ta suprématie, ton onction, ta capacité, ta gloire est parmi nous ce soir. Saint-Esprit, révèle-nous Jésus la vérité. C'est lui la vérité. Qu'il se révèle parmi nous aujourd'hui. Conduis-nous dans cela. Parce que Jésus, tu es le chemin. Que chacun de nous te retrouve encore ce soir. Et dans le nom puissant de Jésus-Christ. Par l'autorité qui a investi en moi. Tout esprit impur qui perturbe l'atmosphère. Ces esprits sont neutralisés au nom de Jésus-Christ. Ils sont écrasés ce soir au nom de Jésus. Nous décrétons la révélation totale de la vérité. Nous décrétons des transformations radicales. Nous décrétons des guérisons dans tout aspect de la vie. Nous décrétons la liberté totale de tous les opprimés. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Père, car tu honores ta parole. Parce que tu l'as élevé au-dessus de toi-même. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Tophandi, s'il vous plaît, acclamons Jésus très fort. Acclamons-le très fort, la parole vivante qui est parmi nous. Je rends toute la gloire à Jésus-Christ pour ce grand privilège d'être le canal par lequel il veut passer s'exprimer. Parce qu'à chaque fois qu'il parle, moi aussi je suis bénéficiaire. C'est-à-dire je ne suis qu'un canal par lequel il passe ce soir. Et à chaque fois je le dis, ce n'est pas un acquis, c'est juste la sélection de la grâce des dieux. Je bénis Dieu de passer par son prophète dans la maison. Pour ce choix ce soir. Nous avons un prophète dans la maison. Acclamons Jésus très fort pour un prophète qui est parmi nous. Quand nous disons un prophète, c'est que le prophète annonce ce qui va arriver. Nous étions dans notre mois des rencontres avec le Dieu vivant. Il y a eu des rencontres palpables avec Dieu. Et chaque fois que tu rencontres, tu expérimentes Dieu. Dieu t'ordonne maintenant à percer. Oh, tango nyoso kutani na Nzambe, Nzamba ko pesa yo nzela o dusola. Nous allons faire une prière, vous et moi. Tokosala lo sambo moko elongo. Dans la parole des dieux. Na liloba Nzambe. 2 Corinthiens 3, 5 à 6. Je veux que nous puissions prier avec notre cœur. Na lingete to sambela na mitema na biso. 2 Corinthiens 3, 5 à 6. 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 5 à 6, version Luce Second. Yes. Verset 5. Yes. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Yes. Notre capacité, au contraire, vient des dieux. Yes. 6. Mm. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, Amen. Non de la lettre, mais de l'esprit, car
La lettre est tue, mais l'esprit vivifie. Il nous a rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, Jésus. Et non de la lettre. La lettre tue. Mokanda et bomaka. Nous allons prier. Seigneur, Nkolo, révèle-toi à moi ce soir. Mitalisa nanga poko na lelo. Parce que c'est ton esprit qui donne la vie. Je refuse d'être un ministre ce soir de la lettre. Mais je veux être le ministre de la nouvelle alliance par l'esprit. Prie au nom de Jésus. Que Jésus se révèle personnellement à toi et à moi. Prie au nom de Jésus. Sambela na kombo na Yesu Masiya. Seigneur, révèle-toi totalement à moi. Kolomitalisa na mobimba na ngai. C'est le début de moi, je ne peux pas décoller comme ça. Eze ebandeli ya sanza na ko banda boyeche. Tu as parlé par la bouche du prophète. Olobaki na munoko mosakoli. Je veux que toi-même tu te révèles à moi. Na lingi yo moko mitalisa na ngai. Par la parole prophétique de ce mois. Na nzali lobali sakoli ya sanza oyo. Prie au nom de Jésus-Christ. Sambela na kombo na Yesu Masiya. Que tout ce qu'il te lit à la lettre soit brisée ce soir. Que tu sois connecté à l'esprit. Que tu sois connecté à l'esprit. Père, dans le nom de Jésus-Christ. Ma soeur est soupire. Mon frère soupire. Pour que tu te révèles à lui. Nous voulons que tu te révèles à nous. C'est toi la parole vivante. Tu es en dehors des écrits. Tu as dit, c'est toi qui nous conduira dans la vérité. Conduis-nous dans la vérité. Nous refusons la lettre. Nous acceptons l'esprit. Nous acceptons la révélation. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et Koki Sami, il en est ainsi. Tu es dans cette atmosphère de la révélation totale de Jésus. Par ces quelques minutes, le Saint-Esprit va nous parler. Percer est ta vie. Percer, c'est ta manière d'opérer. Percer, c'est ta vie. Percer, c'est dans la dimension de l'esprit. Percer, c'est ta manière d'opérer. Il y a beaucoup de nous dans le mois passé, rencontre avec le Dieu vivant. On a eu des témoignages, même des personnes qui étaient anciens à l'église. Ils ont écouté la voix audible des dieux. Ce témoignage m'a beaucoup émerveillé. Elle est longtemps dans l'église. Elle sert Dieu. Mais elle a entendu la voix audible des dieux dans le mois de rencontre. Dieu lui dit, donne ta vie. Elle est surprise. J'ai déjà reçu Christ. J'entends une voix. Donne ta vie. Et elle nous a écrit. Et le Saint-Esprit nous a donné la réponse. C'est autre chose de Yamba Yesu et donner sa vie à Jésus. C'est une autre chose de recevoir Christ et de donner sa vie à Christ. Si les deux ne sont pas ensemble, tu n'as jamais rencontrer le Dieu vivant. Et je bénis Dieu pour son humilité. Et c'est ce jour-là qu'elle a été née d'en haut. On a entendu beaucoup de témoignages de rencontres avec Dieu. Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre. Il devait d'abord avoir des rencontres. Pour que nous voyons ce mois ici de percer. Malgré ton ancienneté dans l'église. Ton ancienneté dans l'assemblée locale. Aussi longtemps. Que cette étape n'est pas faite. Et puis melo oyo esalamite. C'est-à-dire pour toi. Percé, tu es en dehors de percé.
Elingyo lo bapo na yo oza libanda ya kodusola. Merci Saint-Esprit. Matondo molimo Saint. Ces rencontres sont faites pour que maintenant nous puissions expérimenter cette parole prophétique. Babokutani oyo esalema ki po ete sikoyo tobika liloba o eza ya kodusola. La révélation de breakthrough, j'aime cela, le Saint-Esprit m'a fait révéler cela en anglais. Je demandais à la maison mon mari, il ne comprenait pas. J'entendais breakthrough, pas percé. Break, je suis allée dans le dictionnaire, c'est cassé. Et je lui ai demandé through, il m'a dit à travers. Le Saint-Esprit veut nous donner cette définition. Percer, c'est traverser. Percer, c'est passer de l'autre bord. Peu importe ce que tu vois comme obstacle, comme l'apôtre vient de le démontrer ici. C'est-à-dire, nous comprenons que le problème n'est pas des obstacles. Beaucoup de nous, on était figés sur les obstacles. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit te révèle. En tant qu'enfant de Dieu, les obstacles n'est pas des problèmes. L'obstacle n'est pas un problème. C'est juste un instrument. Une occasion mise en place pour que tu opères selon ta nature. Les obstacles, ce sont des mises en place pour que ta nature se manifeste. C'est-à-dire à dater de ce soir, tu ne verras plus les obstacles comme un problème. Ça sera comme des mises en place pour que tu manifestes ta vraie nature. Jean 3, le verset 6 à 8, la parole de Dieu nous dit, ce qui est né de la famille des humains est humain. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Il a dit comme un vent. Le vent souffle là où il veut. Le vent ne voit pas l'obstacle. Même si tu fermais ta porte, le vent peut traverser. En tant qu'enfant de Dieu, on a été conçu pour percer sur la terre. Les obstacles sont des matières nécessaires. Mais là, les obstacles sont des matières qui sont placées devant toi. Ce sont des matières nécessaires pour percer. On ne peut pas percer sans les obstacles. On ne peut pas parler de percer sans obstacle. Jean 20, 19 et 26. Les lecteurs sont en train de... Lingala est français. Jean 20, 19, 26. Jésus, Yesu. Il était, Dieu était venu dans la chair. Il a opéré dans les limites. Lorsqu'il était à un point X, il ne pouvait pas se retrouver au point Y. Mais après sa résurrection, il a engendré toi et moi. Maintenant, il voulait montrer à ses disciples la nature nouvelle, comment vous devez opérer. Après la résurrection, les portes étaient verrouillées. Mais Jésus est venu avec la chair parce qu'on a touché ses mains.
Thomas avait touché sa main. Mais il a traversé le mur. Il voulait montrer à ses disciples. Voilà présentement votre manière d'opérer en tant qu'enfant de Dieu. Jean 20, 19 et 26. Jean chapitre 20, verset 19, nous lisons au nom de Jésus. Yes. La version Louis II. Yes. Le soir de ces jours, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, paix, la paix soit avec vous. Yes. Nous lisons le verset 26. Yes. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, la porte étant fermée, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Les portes étaient fermées. Il n'y avait pas d'issue pour entrer. Mais Jésus a percé le mur. Il a fait le breakthrough, cassé à travers. C'est-à-dire l'obstacle peut rester là. La porte peut toujours rester fermée. Ce n'est pas le problème de la porte qui est fermée. Ce n'est pas le problème qu'on a mis ces obstacles-là. Que toi, tu ne peux pas dépasser ces limites. Ces obstacles-là peuvent rester là. Mais toi, ta nature, dans la dimension de l'esprit, la porte fermée, mais on te retrouve de l'autre bord. On ne peut pas te comprendre. Il y a toujours la porte qui est fermée. On ne va pas ouvrir cette porte. Mais toi, tu vas te retrouver sur l'autre bord. Laissez-les avec leur porte fermée. Ce n'est pas un problème. Botia bakale partout, ce n'est pas un problème. Vous pouvez mettre les cales partout. Ce qui est sûr. J'ai été conçu dans le ciel pour que je manifeste ma nature de percée. Et je gloire à Dieu pour cette parole prophétique. Le prophète parle toujours au moment opportun. L'église aujourd'hui a besoin de ce message. Il y aura des persécutions. Il y aura des obstacles. Ce qui est sûr, tu seras toujours de l'autre bord. Tu vas accomplir ce pourquoi Dieu t'a mandaté ici sur la terre. Ce n'est pas un problème. Ce sont des matières nécessaires. Tu dois avoir ces obstacles-là. Ces obstacles, tu ne peux pas manifester ta nature. Des matières nécessaires. Amen. Yes. Version Lingala Yalelo. Yes. Jean chapitre 20, verset 19. Yes. Ezala ki se mokolwana na pokwa. Sima ya mokolo ya ko pema. Yes. Ba yekoli bazala ki esika moko. Bakangaki ba porte nyonso ya ndako. Bakangi ba porte nyonso ya ndako. Tebite eloko nini bakangi pona yo na butu ya lelo. Je ne sais pas la chose qui est verrouillée contre ta vie. Bakangi balobi li bala wane ko sale mate. Ils ont dit que ce mariage ne sera jamais réalisé. Balobi soki ngai te. Ni tes témoins. Il ne touchera pas ses enfants. Si je ne l'ai pas allaité, veuillons voir s'il va se retrouver. Il s'est trouvé. Il est déjà de l'autre bord. Mais ce qui est sûr, on va se retrouver. On s'est déjà de l'autre bord. Mais ils vont se retrouver de l'autre bord. Aussi au Katisi. Ah, aux okamouis sangande bozo beta maboko wana. Je rends grâce à Dieu pour cette parole prophétique. Le Seigneur nous avait montré un signe pour cette parole. En revenant de Congo central. Et c'est là qu'il ne fallait pas tout comment.
Nous ne devrions pas arriver. C'était selon leur agenda. Mais le Seigneur a prouvé cette parole prophétique. Oyoki na témoignage l'homme de Dieu a donné. Tu as suivi par le témoignage de l'homme de Katani. Dieu. Les freins oui, des opélatés. Il n'y avait pas de phare. Volant, ils ont bougé. Était bloqué. Mais comment on s'est retrouvé à Kinshasa? Traversé. Breakthrough. Déjà atterrissage na yo eza annoncé. Yes. Le Seigneur devait prouver cette parole par le prophète. C'est-à-dire tant bozo ya sans frein. Pendant que vous avancez sans frein. Et la nuit. Soit vous pouvez percuter aller dans la bouche. Ou soit connaître. Il fallait pas tokoma. Mais la nature que Dieu nous a donnée. Le lingot se manifester ce jour-là. Et peu importe des limites. Parce que toi tu as la vie illimitée. Tu vas traverser des limites. Yo kodusso la bandelo. Yes. Bakanga ki ba porte nyonso ya ndako. Yes. Po bazalaki ko banga ba Yuda. Yes. Yesu aye ko tele makati na bango pe alobi. Aye ko tele makati na bango tali sabino bandeko. Mes bien-aimés. Bana mai. Mes frères. Mais déjà ton côté na mambwasika. Nous sommes déjà dans ba le nouvel chant. Ba so banga. Ils étaient là en train. Baso banga ba Yuda. Ils prenaient les lamusa bango. Ndenge le lomo limo santo eko lamusa mutu moko. O sokota na dimension ya esprit. Comment ça opère selon ta nature? Verset 26. Ils étaient craintifs. Yes. Et limités quelque part. Verset 26. Yes. Si ma yaposo moko, ba yekoli bazalaki lisusu na ndako. Yes. Toma pe azalaki na bango. Atako ba porte ya ndako ezalaki ya kokangama. Atako ba porte ya ndako ezalaki ya kokangama. Atako ba porte ya destinée na yo, ba ye ba kangi yango. Même s'il ferme les portes de ta destinée. Que Satan aujourd'hui. Satan allélo. Lucifer est devenu Satan. Lucifer a commis Satan. Même aujourd'hui. Atelélo. S'il devient un million de fois Satan. Ce qui m'a la cama comme ça. Il ne peut pas te stopper. Il y a quelqu'un luxe qui s'ayote. Il ne peut pas. A quitter. Qu'il soit mille fois diable. A comme m'a la cama. Qu'il soit mille fois Satan. Yes. Il ne peut pas te stopper. A quitter ceux qui s'ayote. Maboko wana Yabato basuka kate. Dieu nous a engendrés. Nzambe ye mokonde abota kibiso. Et nous a placés ici sur la terre. Piatia kibiso na mabele. Il ne s'inquiète pas. Yami tungisa kate. Il ne s'inquiète pas. Azani komi tungisa kate. 1 Pierre 5 9 nous dit votre adversaire le diable. Yabino mobundisi Satana. Un jour le Saint-Esprit m'a fait voir. Pourquoi bateau bazar mon kilibango ba mona na bango makambute makamion soye sala manabo pété. Cette parole est venue souffler dans mes oreilles. Pourquoi les païens vivent aisément tout et ils le diable n'est pas l'adversaire de tout le monde. Satana aza monguna ya motonyo sauté. La dit sœur et frère chrétien. Alobi bandeko basi mibali ba Christ. Votre adversaire. Monguna na bino. Le diable est l'adversaire des enfants de Dieu, pas du monde. Mais Dieu ne s'inquiète pas. Parce que peu importe l'adversité, il t'a déjà doté d'une capacité. Il t'a conçu d'une nature qui est illimitée. Il ne s'inquiète pas Dieu. Car il nous a donné la vie illimitée. Qui est la vie éternelle. Jean 3, 16 nous dit, quiconque croit en Jésus a la vie éternelle. Autrement dit, la vie illimitée. Jean 3, 16 nous dit, Montonio, Sakondi, Melancolo, Azana, Bomo, Yaseko, Bomo, Yuakatakayango. Et cette vie illimitée commence dès que tu reçois Jésus. Tu commences à opérer déjà ici sur la terre. Tu as une vie que personne ne peut stopper. Tu as une vie que rien ne peut limiter. La vie illimitée de Dieu
coule en toi. Les limites, les barrières ne sont pas des problèmes des enfants de Dieu. Leur seul problème aujourd'hui, le Saint-Esprit nous révèle. Le seul problème que les enfants de Dieu ont est qu'ils ne connaissent pas leur origine. Ils ne connaissent pas leur nature. Pourquoi? Parce que nous avons cette carcasse, cette enveloppe, les mains, les yeux, c'est ça qui est une limite pour l'enfant des dieux. Il pense qu'il est ce qu'il voit. Or, il n'est pas ce qu'ils voient, ce qu'ils sont réellement sont en eux. Les limites sont des carcasses que nous avons. Tu vois, quand je regarde mon frère rouge là, Bordeaux, je pense que c'est Glody là qui est porté rouge. Or, ce n'est pas lui en réalité. Parce que chaque jour, tu penses que le visage que tu vois reflète ta personne. Chaque jour. Parce que c'est ce que tu vois tous les jours. Or, ce qui est en toi, le réel toi est à l'intérieur de toi. Wana ya solo oyoyoza azana kati na yo. Le seul problème avec les enfants de Dieu, c'est leur connaître leur origine et leur nature. Maman ali kambola bana nzambe ezako yeba bauti wapi pe lo lenge na l'apôtre que Dieu a établi, il a dit la connaissance. Et ntoma oyo nzamba tie auti koloba nati na boyebi. Beaucoup d'enfants de Dieu, mingi kati ya bana nzambe, ils s'identifient plus à leur aspect physique. Na boye ba miyeba ka mingi na lo lenge na bango bo moto. Que leur aspect dans la dimension de l'esprit. Ils s'identifient à leur aspect physique à des esprits vivants. Posez 4, le verset 4 et 6, paroles de vie, s'il vous plaît, rapidement. Osez 4, le verset 4 et 6. J'aime cette version, le Saint-Esprit a vraiment révélé Jésus dans cette version. Il a dit, mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. C'est qui? C'est Jésus. Alobi, libota nanga bazo kufa pwete ba yebinga ite. Nani wana ba yebite? Yesu. Mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Libota nanga zo kufa pwete ba yebinga ite. Il ne me connaît pas, il ne connaît pas la nature que je leur ai infusée. Il ne connaît pas leur origine qui est moi. Yes, Osée 4. Osée chapitre 4, à partir du verset 4. Yes. Version parole de vie. Yes. Le Seigneur dit. Yes, le Seigneur dit. À chaque fois que tu es devant la parole, sache qu'il est en train de parler à toi, pas à ton voisin. Yes. Le Seigneur dit. Yes. Attention. Attention. Keba. On ne doit pas accuser n'importe qui, ni faire des reproches à tout le monde. On ne peut pas accuser n'importe qui. Okokika ko accuser mama Bokilo wanati. Tu ne peux pas accuser ta belle-mère. Okokika ko accuser moi na wana to azo manifester sorcellerie nanda kuna. Parce que ton enfant qui manifeste la sorcellerie à la maison. On ne peut pas accuser n'importe qui. Okokio funda motunyo sorcellerie. Chef wana za occultiste okokika ko accuser. Tu ne peux pas accuser ce chef d'occultiste. Yes. C'est avec vous les prêtres que je suis en procès. C'est avec vous les prêtres, les sacrificateurs. Dans la nouvelle alliance, tu es un prêtre. Je suis en procès avec vous. Ce n'est pas à cause de l'adversaire que j'ai laissé déchu sur la terre, mais je suis en procès avec vous les sacrificateurs. Verset 5. Vous allez faire le fausse route. Verset 6, directeur. Verset 6, excusez. On n'a pas le temps, yes. Mon peuple meurt. Yes. Parce qu'il ne me connaît pas. Parce qu'il ne me connaît pas, moi Dieu. C'est pourquoi mon peuple meurt.
Mon peuple ne meurt pas parce que l'adversaire est leur adversaire. Mon peuple ne meurt pas parce que le diable est toujours là et en train de rôder pour chercher ce qu'il veut dévorer. Mon peuple, les sacrificateurs meurent parce qu'ils ne me connaissent pas Jésus. Tu peux parler de Jésus mais tu ne le connais pas. Tu peux prier Jésus mais tu ne le connais pas. Tu peux annoncer Jésus mais tu ne le connais pas. Il meurt parce qu'il ne me connaît pas. Il ne connaît pas ma nature. Il ne connaît pas comment j'opère. Mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Yes. Vous, vous n'avez pas voulu me connaître. Yes. C'est pourquoi il y a beaucoup, ils ne veulent pas connaître. Mingi balingi la banque oyé bate. Un moment, l'apôtre avait annoncé ici chaque mardi enseignement. Oui, enseignement chaque mardi. Les gens ne venaient pas. Les gens ne veulent pas connaître Jésus, mais ils veulent prier Jésus. Ils ne veulent pas connaître Jésus, mais ils veulent parler de Jésus. Aussi longtemps tu ne connais pas sa nature, tu ne connais pas l'origine que toi tu es tiré, pris, jeune, tu seras toujours dans le même cycle. Wana oyebi te obime e pa ya nani. Chaque mardi, c'était ici, venez enseignement seulement, enseignement. Les gens ne veulent pas. Mais quand on dit lavement de pied, tout vista est rempli. Parce que les gens veulent prendre de lui sans connaître son cœur. Or, dès que tu le connais, toutes ces choses-là sont ajoutées. Les choses ajoutées, on ne demande pas cela. Toi connais seulement ton Seigneur. Toi connais l'origine d'où tu viens. Connais celui qui t'a engendré. L'adversaire n'aura pas de problème avec toi. Il s'identifie plus à leur ancienne famille, au monde, au lieu de s'identifier à la nouvelle famille et au royaume des cieux. Bazali komi yeba mingi na mabota esika bauti na mokili na esika bayeba esika bauti. Beaucoup s'identifient aux malédictions générationnelles que aux bénédictions transgénérationnelles. Mingi baza komi yeba kolandisa bilakeli mabe ewuti musika na esika ba miyeba na mapamboli o ezo kitana ekeke na ekeke. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas conscience que les bénédictions aussi sont générationnelles. Mingi abana nzambe ba yebi te ke lipamboli pe eyaka ekeke na ekeke. Ils s'identifient aux malédictions générationnelles. Baza koyeba mingi bilakeli mabe ewuti na bakoko. Mais pour s'identifier aux bénédictions transgénérationnelles obtenues par Christ, ils ont peu de foi à croire en cela. Or, on ne peut pas percer sans prendre conscience de sa vraie nature. Jésus a dit dans Galates 3, maudit est quiconque est pendu au poids. Lui, il a été fait malédiction pour que toi tu sois béni, tes enfants bénis, toutes les générations soient bénies. C'est ça le problème avec beaucoup de nous. Ce qui est naturel pour des hommes physiques, c'est naturel pour les enfants des dieux. Yango ezali pe ya pété. Non, c'est-à-dire oh bah tomo kilba benga ça surnaturel. C'est que le monde appelle surnaturel. Bah monikiste limwe ba benga yango surnaturel. Il voit un Christ disparaître, il part du surnaturel. C'est naturel pour toi. On doit vivre ça.
Oh, pour la biso, ezeloko ezengeli to sala ngoto bika ngona pe. C'est pourquoi toujours l'homme de Dieu poussé par le Saint-Esprit lobi, sokinde zo sala maté, il fonde mituna parce que c'est ton naturel, c'est pas ton surnaturel. Normalement, si ces choses n'arrivaient pas, tu dois certes te poser c'est la question. C'est surnaturel pour ceux qui sont en dehors. Mais pour toi, c'est des choses que tu dois vivre. Aujourd'hui, on a l'appétit déjeuner, na midi, na pauvre, chaque jour. C'est ton naturel. Et ça, c'est ce que la maïelle est à toi, l'ibanda, ma pagano. Kasi pona biso, et c'est que les la bilei na yo ya mokolo na mokolo. Le frère Ahmed a bangi nzambabi. Ah, papa, na bangi. Le frère Ahmed a eu peur. Parce que c'est lui qui était en train de vivre. A comme déjà quoi intercéder bananangai. Bananangai yazo mona ra banane na bio na ofunde pa moi si na zo kanse moi si na ote. Il voyait plus l'intérêt de ses enfants ni de sa femme. C'est-à-dire c'est surnaturel. Et ça ils ont les la maillée là. Mais pour ceux qui sont ont la nature de percer, c'est naturel. Kasi bayo bazana lo lenge ya koleka likolo ya makambo koko mananga mboza makambo apete. Moteur. Que le moteur soit coupé. Panne sèche ça la mozana zamba. Qu'il y ait de panne sèche. Ce qui est sûr, tu arriveras là où Dieu t'a dit tu arriveras. Oh yo Isaiah solo, suka suka yo kokoma. C'est le naturel pour des enfants des dieux. Eza ou esengele salema pour na bana nzambe. Acte 8 1 4 et 6 dans la persécution qui est un obstacle. L'église primitive a connu une percée. Ils ont franchi des limites. Ce que Dieu a prévu pour toi. Rien au monde. Et le côté na mokili. Rien au monde. Et le côté na mokili. Et personne. Motote. Si yango na conscience na yo. Personne. Motote. Ne peut empêcher. A kope ki sa yo yango. Il a dit dans Esaïe 14. Alobi na Esaïe 14. C'est que j'ai décidé. Oyo na zimo kano. C'est ce qui va se produire. Yango ne ko salema. Pas ce que eux ont décidé pour toi. Exacte oyo bango bakani sala ma pona yo. Dieu décide pour toi. So ki nzamba zimo kano po yo. Personne. Motote. Rien. Et ne peut empêcher. Et qu'on peut qui ça? Oh, oh, oh. Il faut ton boca. Tu dois te révolter. Acte 8. Oh. Acte chapitre 8. De verset 1. Il y avait des obstacles avec l'église primitive. Version Luc 2. Il eut ces jours-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Cette persécution était un obstacle pour l'Église. Mais nous voyons qu'elle limita qui bangoti. Mais cela ne leur avait pas limité. Pour que toujours la parole de Dieu soit annoncée. Pour être à côté de Samoumala. Je crois en Dieu. Église Oyo. Que dans cette église. Peu importe les obstacles. À tabi pekiseloni. À quoi kamungwana groupe. Qu'on fasse quoi que ce soit. Qu'on coupe les la films. La parole de Dieu sera toujours annoncée. L'île la parole de Dieu, on ne peut pas lier cela. Et parce que la parole de Dieu est illimitée. Toi aussi, la parole vivante est en toi. Toi aussi, tu es illimité. L'île Ils ont le verset 4. Yes. Ceux qui avaient été dispersés yes. allaient de lieu en lieu yes. annonçant la bonne nouvelle de la parole. Voilà, le 4 et 6. Verset 6. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Voilà, ils étaient enfermés. Bakangemaki. On le persécutait, bah, so bo ma baron, bo ka baron, la prison. On le tuait, on le jetait en prison. Mais cet obstacle, c'était des matières pour eux de passer à l'autre bord. Philippe n'a pas vu ces limites-là parce qu'il savait, je suis conçu pour percer.
Kasi Philippe monaki yango te po te ba ki abotami po kendenga mo. Il est entré dans la Samarie. A kota ki na Samarie. Et il a annoncé le Messie. Beaucoup de signes et de prodiges se sont multipliés. Bilembo pe bikamo ekoma ki mingi. C'est-à-dire la persécution n'était pas leur problème. Monyokoli ezalaki likambo po na bango. La persécution ne peut pas stopper ta croissance spirituelle. Konyo kwa mekokyo tsuki sa to kola na molimo. Ndaku oto lingi muto sambela na kombo ya Yesu te et koki ko empêcher croissance spirituelle na yote. Même si on interdisait la prière au nom de Jésus, cela ne peut empêcher. Bazola la yozo sambela, tu vibres en esprit. Pendant qu'il dorme, yo wana zo rabashi. Bazola la yo ozo yo kalilo banzambe na ba écouteur. Pendant qu'il dorme, tu suis la parole de Dieu. La persécution ne peut pas empêcher ta croissance spirituelle. Monyo kolieko kanga kokola na yo amolimo te. Ba boyo oya na église, mais ozo fungo la maningisa na ndako sikozali. On t'empêche de venir à l'église, mais tu ouvres les écluses des cieux de là où tu es à la maison. Version Lingala Yalelo. Kaka na mokolo yango babandaki konyokola bato ya eklese na Yerusalemi. Parce que là qui konyokola bato ba obstacle et yé. Il y avait des obstacles. Ndenge lelo tozana ba obstacle. Tel que nous vivons cela. Peut-être biso tozomona te ke bazo nyokola biso. Peut-être nous sommes inconscients de ces choses. Na ba distraction oyo na ba réseaux sociaux za konyokola bana nzambe me bana nzambe ba yebite. Ces distractions des réseaux sociaux. Parce que konyokola ponini bato wana basala o nzambe atinda bango te basala na se. Il persécutait ses peuples pour ne pas accomplir ce que Christ les a appelés. Ces obstacles. Malgré les réseaux sociaux, ils ont multiplié les distractions. Toi, tu auras toujours la révélation de Jésus. Babandi ko nyokola bato ya eklesia na Yerusalem et makasi penza. Bandiminyo so ba panzani bipa ya région ya Judée ya pe ya Samarie. Bobele bantoma bato batikala ki na Yerusalem. Verset 4. Yes. Bongo, bandeko oyo bapanzana ki babandaki ko sakola sango malamu na mboka mobimba. Bazo sakola toujours sango malamu, c'est-à-dire persécution est stoppé bangoti. Ces gens n'étaient pas arrêtés à cause de la persécution. Yes. Verset 6. Yes. Batonyo so bazalaki ko tia matoi penza na maloba ya Philippe. Tango bazalaki koyoka pe komona makamu si oyo ye azalaki kosala. Amen. La persécution ne peut pas te stopper. Monyokoli ekokyosuki sa. Les limites des hommes ne pourront rien contre la vision que Dieu a pour nous. Bandelo ya bato ekosala le côté na emone iseli onzamba zana ngopo na yo. Ata pindai. Même s'il girait. Balobiyo. Et qu'il citait ton nom. Tosui kombo na yo. Nous avons pris ton nom. Nous les jetons dans l'eau. Tu ne toucheras pas cette chose-là. Mais par la puissance du Saint-Esprit. Il faut se retrouver déjà au Simbi. Amen. Où qu'on peut amener ton nom. Photo na yo wapi. Ta photo. Où qu'on peut amener ton nom. Ce qui est sûr. C'est que Dieu a résolu pour toi. Tu vas les palper finalement. Rien ne peut te stopper. Et l'autre côté qu'on soupire. Qu'ils se réunissent. Qu'ils fassent des réunions. Qu'ils amènent ton nom chez tes postes. Qu'ils disent l'image. Qu'on se retrouve à annoncer pour vous. Mais ça, la vie est. Comment cela est arrivé? Conseil administratif. Nous étions là contre. Il ne pouvait pas être promis. Mais comment annoncer? Comment est-ce qu'ils annoncent? Parce que toi, tu as la vie illimitée. Personne ne peut te limiter. Mon Dieu, c'est à cause qui ça y est. Oh yes. Osuka kate. Radegezin sabrande gezon sobrayande. Ragazun sebrando sheketa la boshi. Même si on prenait ton nom. On prenait le cercueil. On prenait un carton d'alumette. On plaçait ton nom. On l'enterrait. Et qu'ils disent que tu as la vie illimitée. Yozala bomo yezanga souka. Mon côté a koki ko limite vie na yo. Personne ne peut empêcher ta vie. Mon côté a koki souki sa yo. Ce qui est za yo na kanisa ko linga ko beta maboko. Brandegezonto braya dele boshi.
Balingayo. Balingayote. Tu t'aimes ou non? C'est qui est sûr? Oui, tu arriveras là où Dieu a décidé pour toi. Oh, koko, mais si Kanzambaka n'a pas na yo. Tu n'as pas besoin des hommes. Osana posa tu as besoin seulement de manifester ta nature. Osana posa tu as besoin seulement de prendre conscience de ta nature. Oh, yeah, bah, que les hommes veulent. Que les hommes ne veulent pas. Balingate. Ce que Dieu a prévu. Dengo, tu arriveras à tout sûr. À tout sûr, tu arriveras. Ya solo yo koko. Les grâces sont ces bras. Les limites des hommes ne pourront rien contre la vision que Dieu a pour nous. L'agenda de l'esprit du mal ne peut rien contre l'agenda que Dieu a pour ses enfants. Mikano ya milimo mabe ko sale lokote na mikano ya nzambe pona bana na ye. Même s'il disait. Malapinda ye lokola a Bali. Tel qu'il venait de se marier. Il n'aura jamais ses enfants. Se retrouver. À l'air insu. Déjà au memi ma passa na ye. Ils te verront porter tes jumeaux. Balobiye. Il dit toi. Nous l'avons lié à faire. Au débauche pour la famille. A kokyo botate. Il ne peut pas avoir des enfants. Balate. Ni ses mariés. Bongo na ye, il faut être toujours famille. Parce que son argent doit être. Va qu'on retrouver au Bali. Ils se retrouveront tous les mariés. Osons annoncer bonne nouvelle. Oh yes. On commet bénédiction à la nation. Oh yes. Basons comprendre te. Oh yes. Comme on a bango na hôtel les a toujours. Hein. Mais yo osio douso. Ya 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 ya. Comme on a bango na hôtel les colis moité. Yes. Ce nom sera toujours là. Nadine a toujours un hôtel. Nadine se trouve dans. La trône ou la méchanceté va commis. Yes. Il y a que ça la kindumba. Elle va se balader. A kobotate. Va retrouver Nadine assis à Bali. Il se retrouve Nadine. Nadine a commis servante de Dieu. Elle devient servante Nadine de Dieu. Nadine a son panza sangomalam. Elle propage. Va se comprendre. Il les comprend. Mais comment on est fallu lire moi. Ces noms devaient être. Comment ça toujours. Les noms mais se trouvent. Comment est-ce qu'il s'est marié. Parce que les obstacles. Oui, ce sont des nous. Matières. Et ça, bissa, bissa, L'homme de Dieu comprend. Celui que je témoigne, celle que je témoigne. Moti on a zo tato la ponaye. On avait dit. Balobaki. Yé akoki ko balati. Elle ne pouvait pas se marier. Na hôtel na biso. Dans notre hôtel. Il faut asunga famille. Elle doit subvenir à la famille. Akosala na yako zwa mbongo. Elle va travailler et gagner de l'argent. Ako rencontrer ba homme riche. Elle rencontrera des hommes riches. Mbongo waneza po na famille. Mais l'argent qu'elle va gagner c'est mais pour la famille. Mais parce que quand la personne a reçu. Elle a donné sa vie à Jésus. Elle est entrée dans une autre dimension. L'hôtel était toujours là. Et ce n'est pas question de détruire des hôtels. Ce n'est pas question de détruire des hôtels. L'hôtel s'y trouvait. Mais ces derniers ont comprendre. Il mais ma kaposo pimi c'est outi wabi. Tu proviens de Balindengeni. Comment est-ce qu'elle s'est mariée? Aïe 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 aïe. Roshalabi. Toi seulement prends conscience. Yo yeba kaka. Que tu as été conçu. Au salem. Engendré par Jésus. Au botama na yes. La nature que tu as. Le lengio tu vas toujours break tout. Casser au travers. Okobuka oleki likolo na yango. Oh yes. Zikla doche ketele bande. Zengla doche de. Jésus est ressuscité. Yesu asekwi. La femme est venue. Moi si aye. Elle a trouvé le tombeau. Akuti kunda. La pierre a été ôtée. Libanga basi batia mopanzi. Jésus a dépassé la pierre. Yesu aleka ki. La pierre était toujours là. La pierre a été ôtée pour que la femme constate. Oh, la pierre était toujours là. Mais Jésus a passé à travers la pierre. Pour dire que mes enfants, vous êtes entrés dans une autre dimension. Mais ce qui est sûr, tu vas arriver là où je suis.
Okoko mesika na lingio koma. Nani azo koma? Nani aligia koma? Nani asia komi? Oh maboko wana. Si kapango ba sala ba hotel wana. Laisse le faire si ces hotels. Si kapango ba kende na mai. Laisse le aller dans si les zones. Si kapango ba kende na zamba. Laisse le aller dans la forêt. Si kapango ba nyata nyata yo na ba pratique na bango. Laisse le t'écraser. Mais ce qui est sûr ba ko retrouver komi déjà de l'autre bord. Ya 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 ya. Oh, on yes. retrouveur déjà de l'autre port. Bah, et on ne comprend pas. Bah, parce qu'on ne comprend pas Dieu. Bah, on ne comprend pas l'esprit. On ne peut pas comprendre. Laisse-le. Écris ton nom. Que tu ne toucheras jamais les enfants. Laisse-le avec mais ses noms. Retrouver. Ils vont se retrouver. Il y a ce solo kawana. Pendant qu'ils en sortent. Non, bien sûr, yo kaza déjà na zemi à 6 mois. Ya 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 ya. Oh oh oh. Na solo na butu. Na butu na sasakiye. Je l'ai envoûté la nuit. Yo konine salami. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment na zemi à 6 mois ndeke? Comment est-ce qu'elle est grosse? Na butu na sasaki. La nuit je fais ça. Il ne dort pas. Je jeûne à ce sujet. Pour ne pas qu'il touche ses enfants. Je jeûne. Pour ne pas qu'il touche son travail. Je jeûne. Pour ne pas qu'il arrive là. Quand est-ce que j'étais en distraction? J'étais fidèle. Mais sur comment mes il se retrouve là? Dengeni la nature de Dieu se manifeste. Le lengi nzambe mitali si. Aïe, 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 aïe. Ma boko a l'olengi à Zambé. Bete yango bien. Bete yango bien. Omoni lelo. Ce soir. Lelo so sepela na ba obstacle. Tu dois te réjouir des obstacles. So sepela na ba obstacle. Tu dois te réjouir des obstacles. C'est-à-dire ba obstacle so provoquer nature na yo. Les obstacles provoquent ta nature. Et so tumola l'olengi na yo. Et so tumola oyo yo sali. Oh mashalaba. La santé. Sans cela, yo mon manifesté zaté. Kozanga ngo oyoyoza et komona na te. Ko manifesté net ibatu ordinaire. Oh toi tu es extraordinaire. O komi moni sa lokola batu nyoso. Oh yo ke sana. Yo sengelite leka komba batu nyoso. Des choses ne doivent pas passer comme tout le monde. Ayo fois ça la batu bazo comprendre. Ton histoire doit étonner les gens. Ah 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 ah. Par le témoignage de quelqu'un qui m'a écrit. Nanzela lita to le motemo ka komela. La personne me connaissait avant. Elle m'a dit, mais je ne te comprends pas. C'est que de fois quand tu sors là, moi je ne comprends pas ce que tu sors. Parce que la nature de Dieu va se manifester afin que le somme ne te comprend pas. Quelqu'un a écrit à mon mari. Motomoka komeli mologa nina. Ya tukanza mbasa munene nga na yebi mama wana to sala na ina restaurant. Mais na sota la on a TV nzambaza munene. Alléluia. Aso comprendre te yeto yete. La personne ne comprenait pas si c'est maman les ou non. Les obstacles étaient là. Bipe qui c'est le zalaki. Je devais m'arrêter à la prostitution. Et c'est là qui na souka la kibumba. Je devais m'arrêter à la mendicité. Et c'est là qui na souka la kosenga. Mais Dieu par sa sagesse multivariée. Zambe na bwani na ye zanga ndelo. Il m'a conçu. Pour que je passe au travers. Pour n'aller qu'à Nicolo et Macabou. Il était tombé. Bande le quoi à qui? Ekoi, ekoi, ekoi. Oh. Ils avaient placé des limites. Elle devait la prostitution. Elle devait se limiter. Il faut souka la mendicité. Elle devait se limiter à la mendicité. Il faut la kaka mi bali. Elle doit courir après mais le. Quand Jésus m'a engendré. Quand Dieu soit bâtiment. Cette barrière a été brisée. Et puis qui s'éloignait quoi? Je suis passé de l'autre bord. Dans le qui n'a pas mon sousou. Aïe. La santé brade. Ikeleme. Zinklando chandé. Zouzouka yakade. Passe à l'autre bord. Le kalangaba mon soussou. La santé brade. Marouza kapaye. Zikrado chandé. Ikolobo chamade. Un moment. Tango moko. J'ai reçu le Seigneur. Nayambi kolo. Il y avait toujours des obstacles. Bipe ki se louezala ki kaka. Pas l'argent de payer le loyer. Mbongo akofuta ndako ezala ki te. Aussi mon bailleur. As-tu déjà vu Yamba? Ma RS. Mon fouti, maman Lopango. Elle-même te cherchait un travail. C'est incompréhensible. C'est l'équelant. Ma RS a commencé ben un dimanche. Toke kinko leto liata. Jour où on a lié pété. Ces jours-là, je ne. Ma RS n'a pas mangé. Je devais à ça. Ma RS n'a pas loué l'anga musala. Mais c'est la ma RS qui cherchait un travail. Parce qu'on ne peut pas te stopper. Pour ma concurrence qui s'ayote.
tu es conçu avec Jésus. Aucune limite. Parce que ndele wana fala kina zonga na biloko na sanzaki. À cause de ce limite, mais il ne savait pas la nature que Dieu m'a infusée. Je ne peux plus être limité. Merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va atterrir là. La haine de l'adversité ne peut rien contre le progrès dans ta vie. Yoka, kanza ya mabe ya monguna ekosa le lokote po ete yoke de liboso. Église mobimba ba yiniyo. Tu te vois haïr. Ma koko mema kombo na yo pena baba ndio sasa. Ils peuvent amener la ton nom pour dire ne peut pas te stopper. Kanze kosu ki sayote. Baso silika yo so progresser. Pendant qu'ils sont énervés, baso silika yo so avancer. Pendant qu'ils sont mécontents, tu avances. Alléluia. Alléluia. Zigla chande. Alors refuse ces excuses. Boya ba excuse. On va partir à boutou ya le loko soue sous excuse wanate. De ce soir, n'accepte plus. Que ici, ce n'est pas le problème. Et ça, les camotés. La haine ne peut pas t'amener à la destination. Yoka, moté mama bé abatué comme mayoko, mais si que c'est que yoko maté. La haine ne peut pas empêcher là où tu dois arriver. Yoka, moté mama bé kobo yato comme si que c'est que yoko. Les frères de Joseph a ligné. Joseph était détesté par ses frères. Mais empêché y était. Il est péki ça la moyété. Oh. Moutema mabe peki sakate. Kanza ya batwe ko peki sanangote. Ah, maboko wana. Oh. Eko sale lo kote. Des situations amères. Makambo ya pasi. Des situations désagréables. Makambo esipeli sakate. Il y a toujours un issue. Tu passes là où tout est noir. Parce que tu ne trouves pas d'issue. Toi, tu es figé sur le noir. Mais rentre en toi-même. Vois la nature que Dieu t'a infusée. Tu feras déjà l'autre bord. Le piano seulement, il n'a pas dit que je sombrerai, il a dit, allant de l'autre bord. Il n'a pas dit ça. Allant de l'autre bord. Il dit à ses apôtres. Mais baye koli bango baso mona mai, baso mona tempête. Voyez la tempête. Il ne faut pas être figé sur la tempête. Sois figé à ton origine. L'origine de Jésus. C'est qu'il t'a dit. Allons de l'autre bord. Ne regarde pas la tempête. La tempête n'est pas un problème. La tempête, c'est une matière nécessaire. Ce qui doit précéder la percée. Nous allons atterrir à deux choses, le Saint-Esprit va finir là. Et ce qui doit précéder la percée, c'est ton identification. Là où tu es tiré. Et si ka obimeli ton origine en tant qu'enfant de Dieu. Et si ka outi lokola mwana nzambe. Là où tu t'appuies. Et si ko zoyé kama. Ce qui précède ta percée. Premièrement, c'est ton identification. Tu t'identifies à quoi et à qui? Tu t'identifies toujours à la famille de papa Simon Kiangani. Tu t'identifies toujours à Lukombo. Tu t'identifies à quoi et à qui? Proverbe 3, 5 à 6.
La parole de Dieu dit. Il le banzambe lobi. Proverbe 3, 5 à 6. L'identification d'où tu es tiré, d'où est ton origine, c'est ce qui précède ta percée. C'est-à-dire les choses qui viennent avant que tu perces. Tu dois savoir où tu t'identifies. Makambo esengele ya yambo ole kanangambo likambo zobika esengele yeba yo zali nani. Proverbe chapitre 3. Pe uti wapi? Yes. Proverbe chapitre 3, le verset 5 à 6. Yes. Nous lisons la version Louis II. Confie-toi en l'Éternel de Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, en l'Éternel. Pas beaucoup de choses. Ta confiance absolue doit rester posée sur l'Éternel. Et likia na yo ezo ningana te sengeliye ye kamelankolo. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Yes. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ta sagesse humaine. Comment je vais faire comme stratégie pour avoir ça? Je vois vraiment que telles que les choses avancent. Je dois appeler cette personne. Tu t'appuies sur les hommes ou tu t'appuies sur l'Éternel? Version Bible expliquée. Yes. Verset 5. Ne te fie pas à ta propre intelligence. Voilà. Mais place toute ta confiance. Ne te fie pas à ta propre intelligence. Tel qu'ils ont parlé sur moi. Est-ce qu'en servant l'Éternel, tu t'appuies sur ton intelligence? Tu ne peux pas percer. Tel que je suis. Avec ce que j'ai comme. Tu as commis déjà le 2. Le loyer futamité. Je n'ai pas encore payé. Na benga kaka maman mamie. Que j'appelle maman mamie. Na benga tonton José. Que j'appelle tonton José. Tu t'appuies sur ton propre intelligence. Ozotie la moté maman yele na yo. Oh, tu ne sais pas. Wana yo yebite. Que tu peux percer. Oko kende lui. Tu t'appuies sur ton intelligence. Koleka o mayele na yo. Seigneur a dit, mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur. Amen. Et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Voilà, ne te repose pas sur ta propre intelligence. Balobi ba longo la yo ba trompe. Content enlever les trompes. Balobi à force ndengo sopa ba semiebele okosimba mwana te. À cause de ce que tu as fait, tu n'auras pas. Ne t'appuie pas sur cela. Yo, le Saint-Esprit est en train de te parler. Yes. Il y a une percée pour toi. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. D'où proviendra cette dot? Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Côté la mayele na yote motema. Par la percée dans ce mois. Nanzela ko dusola na sanza oyo. Mon père peut t'appeler. Pour te dire amen ce que tu as. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. La percée, c'est pour les gens qui se reposent totalement sur l'Éternel. Amen. Comme il pèse na mayele na yo mon côté. Namakambo na yo nyoso. Yes. Kanisa ka Yahweh. Namakambo na yo nyoso kanisa ka Yahweh. Bongo ye. Eh. Akolakisa yo nzela ya malamu. Voilà, bongo ye. La Français lobi et lui, il a planira tes sentiers. Ye akota li son nzela. C'est-à-dire ngombe zali. Parce que tu te reposes sur lui. Lokola yo ye kameli. Il planira les sentiers. Akosala te nzela koma malamu. C'est-à-dire oko tousola na sanza oyo. Tu vas percer durant ce mois. Sanza oyo. C'est moi. Et ça sanza ba to ba ka difficile. C'est le mois de Dieu à ce temps de ka difficile. Et ça ba tu ya ba mutu pas cité. Yes.
Pas de ceux qui ont des cas difficiles. C'est pour ceux qui ont des tu cas difficiles. Tu es le candidat pour ce mois. Obongi pour la salle. Tu es le candidat pour ce mois. Obongi pour la salle. Malgré ces obstacles. Atami peki tu vas percer. Okodu sola. Okotobola. Yes. Et ça pour la biso bato baka difficile. Rabacha. Babiso yo. Zekla de gere bochete. Yes. Babiso, ce qui est souté, rien ne peut se faire. Oh yes. Ce qui est souté, rien ne peut se faire. Sans Jésus, il n'y aura rien. Rabacha de gere bo. On sort tout cela au nom de Jésus Christ. Tu vas percer au nom de Jésus. Yes. Ce qui est souté, tout ça va. Babiso, car sur l'Éternel seulement qu'on se repose. Kaka likolo Yesu ne tozo yeta. Tu n'as que Dieu. Toza kaka na nzambe. Kaka nzambe. Ces gens là qui vont percer ce mois. Baduande bakoduso la sanza oyo. Eza bato te bazana bato engulu ya bato. Ce n'est pas pour ceux qui ont des choses. C'est pour ceux qui se lèvent le matin. Atali répertoire. Il regarde son répertoire. Tu as robenga zati. Moto azate. Dans le nom de Jésus-Christ. Aux autobola au nom de Jésus. Merci au nom de Jésus. Version Sandrada. Deuxième de choses. Ah ok, version Sandrada. Proverbe 3, versets 5 à 6. Yes. Faites confiance au Seigneur. Yes. De tout votre cœur. Yes. Ne pensez jamais que votre propre capacité. Ne pensez jamais à votre propre capacité. Kokanisate na makoki na yo moko. Parce que naza kitoko. Parce que je suis belle. Desengeli na bala. Que je dois forcément. Parce que naza mayele. Parce que je suis intelligent. Que je dois obtenir la percée. C'est pour des gens qui ont une confiance sur l'Éternel. Oyo batie mayele pa ya Yahweh. Faites confiance au Seigneur. C'est parce que Natangi théologie. C'est pas parce que j'ai fait la théologie. D'un côté, que je dois c'est prêcher. Des personnes qui se reposent sur l'Éternel. Et ça n'a pas tout, baso tient la Yahweh mon Dieu. C'est-à-dire si Dieu ne me dit rien, je n'ai rien aussi à dire. Ce qui nous a malobi n'angé le côté n'a zappé na oya kolobatié. Oh yes. Yes. Faites confiance au Seigneur de tout votre cœur. Amen. Ne pensez jamais que votre propre capacité yes. est suffisante pour surmonter les problèmes. Oh. Voilà, ne pensez jamais. Pierre a voulu, il a marché, il a mis sa confiance sur l'Éternel. Jésus lui dit, viens. Il a commencé à percer. À un moment donné, il est revenu sur ses propres intelligences. Il s'est arrêté là. Or, quand tu es figé sur l'Éternel, focalisé sur Jésus, le consommateur de notre foi, tu es figé sur lui. Peu importe les tempêtes, peu importe la mer, tu vas arriver à destination. Excusez, Totangi version amplifiée. Yes. Croyez et attachez-vous au Seigneur avec confiance de tout votre cœur. Yes. Et ne vous attachez pas à votre propre vision ni votre propre intelligence. Yes. Verset 6. Dans toutes vos voies. Dans toutes vos voies. Parce que c'est des percées. C'est au pluriel, des percées à mon côté. Yes. Ce n'est pas une percée. Le premier jour, l'homme de Dieu est ici, poussé par le Saint-Esprit. Il était ici, il a dit, percée dans tout aspect de votre vie. Dans ton mariage, tu vas percer. Nalibala na yo ko du sola. Moi, si on a comme un poli. C'est un qui est devenu un poli. Dieu est en train de faire aux autres percer. Tu vas percer dans les affaires. Chiffre d'affaires, on est à la cas statique. C'est chiffre d'affaires. La Santa Oyo. Durant ce mois. Aux autres tout soleil, ils ont se quadruplé. Ils ont comme un ébélé. Ils ont se septuplé. Ils ont comme un balade. Aux autres tout soleil, au nom de Jésus. Tu vas percer au nom de Jésus. La croissance spirituelle, aux autres percer.
Des révélations que tu n'as jamais entendues. Ils sont passés dans tout aspect de ta vie. Dans toutes vos voix. Connaissez et reconnaissez-le. Et il va rendre vos sentiers droits et plats. Voilà, enlevant les obstacles qui bloquent votre chemin. Il va rendre vos sentiers droits. Droits et plats, enlevant les obstacles. Enlevant les obstacles qui bloquent votre chemin. Qui bloquent votre chemin. Quand tu mets ta confiance absolue sur l'Éternel. Qui avec l'œuvre de maman. C'est sur l'Éternel que je me repose. Na Yahweh na Tchemo Tchemo. Et ça n'a pas stratégie n'angate. Ce n'est pas par mes stratégies. Et ça n'a intelligence n'angate. Moins encore mon intelligence. Mais sur l'Éternel. Kasi na Yahweh. Kaka Yesu. Yes. Deuxième de choses, le Saint-Esprit atterrit. Yes, il y a des gens, il y a déjà un vent. Mon pépé ça déjà. De percer dans l'atmosphère. Il y a que tout cela na mon pépé. Deuxième de choses, placer sa foi en la puissance des dieux. Et loko ya mibale, chaque ndima na yo likolo ya nguya ya nzambe. C'est ce qui doit précéder la percée. L'identification où tu tires, où tu es tiré. Où tu t'appuies. Deuxième de chose, placer sa foi en puissance de Dieu. 1 Corinthiens 2, 5. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 5. Version Louis Segond. Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Yes, votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais bien sur la puissance des dieux. Ce que Dieu est capable de faire. Ce que Dieu est capable de faire. Amen. Ta foi d'être reposée sur cela. Yes. Ta foi doit être reposée sur la puissance des dieux. Amen. Le verdict médical est là. Balobi que yoza diabétique. Ils t'ont déclaré diabétique. Balobi que osa insuffisance rénale. Balobi que osa insuffisance rénale. Balobi que osa hypertendu. Que tu es hypertendu. Mais ta foi Kondimana yo doit se reposer et sur vanda la puissance des dieux. Likolo ya nguya ya nzambe. C'est là que tu vas percer cette hypertension. Okodusola. Tu vas percer Okodusola. Cette addition du sucre dans le sang. Ma sucre en est amingi. Ta foi doit être reposée sur la puissance des dieux. Kondimana yo sengeli evanda likolo nguya. Balobi ke yo. Ils ont dit que toi. Okofanda nesika wanati. Tu n'occuperas jamais cette porte. Mais ta foi. Kondimana yo. Ne se repose pas sur la sagesse des hommes. Et vandite na bwanya ya bato. Comment une manière je dois faire pour arriver là? Lo lengeli na sala po te na koma kuna. Mais ta foi doit être reposée sur la puissance des dieux. Là où tu es. Maintenant tu reconnais que tu as été conçu. Engendré par Jésus. Pour manifester ta nature. Commence à parler à Dieu. Aujourd'hui, je renonce à tout ce que je me suis identifié avant. Je m'identifie qui na famille wana ya Albert. Je m'étais identifié à la famille d'Albert. M'identifie qui na likambuana ya mabe. À cette chose là, frère. Mais aujourd'hui, je reconnais que j'ai été conçu pour percer. Ces obstacles ne sont pas des problèmes. Mon seul problème était je ne connaissais pas mon origine. Mon seul problème était que je m'identifiais à ces problèmes-là. Commence à renoncer à toute identification mauvaise avec ces chants inspirés du Saint-Esprit. Il n'a pas dit
que je sombrerai. Ce n'est pas ce que Dieu t'a dit. Il a dit allons de l'autre bord. Il a dit traverse. Parle à Dieu. Renonce à toute identification mauvaise. Tu es conçu pour percer. Jésus t'a engendré pour percer. Il n'a pas dit que tu semblerais. Il a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit il y a un vent de que tu coulerais. Ce n'est pas le problème de la tempête. Mon pépé Zalika Moté. Vois déjà l'autre bord que tu traverses. Ne regarde pas cette tempête. Côté que cette tempête ne te toucherait pas. Mon pépé Zalika Moté. Il n'a pas dit que tu vas sombrer. Alors, la percée, c'est ton droit. En tant qu'enfant de Dieu, il n'a pas dit que tu gourerais. Commence à te révolutionner. En tant qu'enfant de Dieu, je ne suis pas destiné à être limité. La limite n'est pas mon partage. Les barrières n'est pas mon partage. Il n'a pas dit que tu gourerais. Il n'a pas dit que tu sembles. Il a dit allons sous l'autre bord. On peut t'amputer la jambe. On t'a amputé la jambe. Maintenant moi Oyo, dirais-moi, il y a une autre jambe qui va pousser. Le colo personne ne peut pas te limiter. Il y a une vie illimitée. Connais ton origine ce soir. C'est ton naturel. C'est ton naturel. Ce n'est pas le surnaturel, c'est ton naturel. Et ça, on s'est gagné ça la main à péter. Tu pars de l'autre bord. Tu es en train de suivre ce message. Tu es cloué sur le lit de l'hôpital. Ne vois pas ce lit d'hôpital. C'est qui est sûr. Dieu t'a dit passe de l'autre bord. Passe de l'autre bord. Il y a une puissance qui te traverse. Tu es en ligne. La puissance du Saint-Esprit te traverse. Lève-toi. Passe de l'autre bord. Manifeste ta foi. La foi qui se repose sur la puissance de Dieu. Tu es là, tu es cloué sur le lit. Le Saint-Esprit est en train de te parler, de te communiquer sa puissance. Il n'a pas dit que toi tu es sourd. Il n'a pas dit non, 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 que tu sembles. Pendant avec cet
cette atmosphère, l'homme de Dieu, continue de prier, continue de parler à Dieu. La puissance du Saint-Esprit est en train de te traverser. La chandelle est brosse, l'éternel Dieu tout-puissant qui guérit toutes les maladies. Que cette infirmité soit supprimée au nom de Jésus-Christ. Passe à l'autre bord, c'est la guérison. Passe à l'autre bord de la guérison. De ta liberté totale. Un miracle créatif de ta tête jusqu'à la plante de pied. Que tu cours. Passe de l'autre bord. Franchis ses limites. Franchis ses limites. Passe à l'autre bord. Par la puissance du Saint-Esprit. Tu perces maintenant. Tu perces maintenant. Ces limites sont tombées au nom de Jésus. Toute maladie dans la salle. Ici, quand on se voit au pas. Partout tu as mal. Ici, quand on se voit la douleur. Partout tu as une douleur. Si ma musicawana. Impose ta main sur cette zone. L'éternel Dieu qui guérit toute maladie. Yahweh Nzamba Bixa. Il est en train de te dire maintenant. Azobi Kisayo. Passe de l'autre bord de la guérison. Ce soir, franchis ses limites. Les cabanelo na yo. Les médicaments ne tombent pas remédiés. Continue à toucher sur cette. Passe à la guérison au nom de Jésus Christ. Passe à la guérison au nom de Jésus Christ. Passons sur l'eau. Dans le nom de Jésus Christ. Que la puissance du Saint-Esprit te traverse maintenant. Que ce cancer soit supprimé immédiatement. Tu passes à la guérison. Dans le nom de Jésus-Christ, la restauration par la puissance du Saint-Esprit. 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 Dans le nom de sur l'autre bord. Ne perds pas la mouvance du Saint-Esprit qui est dans la salle. Je vous dis que vous pouvez permettre au Saint-Esprit la mouvance du Saint-Esprit dans la salle. Vous pouvez permettre au Saint-Esprit dans la salle. L'atmosphère est saturée de percées. Mon pépé, donne-moi du soleil. Il n'a pas dit que tu semblerais. Il a dit tellement. Allons sur l'autre bord. Ton télémie, Bissobas. Veillons nous lever tous. Ne perds pas cette présence. Pour vous qui savez aller sur tu peux sentir ça dans l'atmosphère. Au coyo, quand il y a mon pépé. Que tu cours. Directement. Dieu n'a pas dit que tu sombreras. Il a dit seulement. Allons sur l'autre bord. Il a dit passons sur l'autre bord. Allons. Il n'a pas dit que toi tu coulerais. Dieu n'a pas dit que toi tu es sourd. Il a dit seulement. Allons sur l'autre bord. Allez. Il a dit passons sur l'autre bord. Ne connais que Zoyo Kazembo en Azoyema. Quand tu écoutes cette chanson, que toi, à ta mère rouge, elle peut te bloquer. Même la mère rouge peut te bloquer.
Ata jodan ekoki kotele misa destine na yote. Je n'en plus ne peut arrêter. Tosa na zambe oyo akatsa ka motu na ngambo mususu. Nous avons un Dieu qui nous fait traverser sur l'autre. Nazo mona yope ozo katsa. Je te vois traverser. Te fi wana ozo katsa na ngambo mususu. Tu passes à l'autre rive. Il n'y a pas un grand na se ya moyo oyo. Oyo a brutalité na ba difficulté. Na ba blocage mais ba surmonter ango et longo na Yesu et longa eza partage nayo avec Jésus la victoire na kombo na Yesu masi au nom de Jésus-Christ. Allons. Il a dit passant de l'autre côté. Je n'a pas dit il a pas que dit toi, tu es heureux. Alobina capacité na yote. Ce n'est ni par ta capacité. Na intelligence na yote. Ce n'est ni par ton intelligence. Mais na ngolu ya zambe. Mais par la grâce divine. Ndeko. Bien aimé. Matea oyo. Ce message. Il n'y a pas de commentaire. Yakoloba mingi ezate. Che na mutu na yo. Place dans ta tête. Percé. Que la percée totale na mobimba, dans tout aspect est possible et est faisable. Est possible, faisable. Alléluia. Amen. Porter la mentalité, j'aime ce qu'elle va, elle a dit, que nous sommes conscients de la malédiction générationnelle. Mais c'est le temps de renverser ma kamo, tout comme ma conscience de la bénédiction générationnelle. To yebi ekeke. Bénédiction transgénérationnelle. Il faut comme comporter devant toutes tes filles la mentalité de percée totale. Alors, ne regarde plus ces Égyptiens. Comment la soupe tu es pitié? Bah, Égyptiens ont mon allélo. Les Égyptiens que tu vois. Ezakaka lélo. Lobby, lobby. Demain. Oko mona bangoli soussouté. Tu ne le verrais plus. Même Dieu. Attends, est d'un notre côté pour la percée totale. Azan angambo na biso poto du sola na mobimba. Et bah, Égyptiens ont appelé Kagadenya lobby et Salamaki. Tel qu'il a dit, les choses se sont faites. Mer rouge, mangoba katsi me ba Égyptien ba melami. Ils ont traversé la mer rouge, mais les autres étaient envahis par l'eau. Ba défi wana ba adversaire wana ba situation wana ba zo melana. Amen. Na kombo na Yesu Masia. Nous avons un grand Dieu. Tozo nzambe monene. Mais parfois, comme maman a dit, tozo bosana notre origine, notre racine. Parfois nous oublions notre origine, notre racine, d'où on est venu. Maman Zawana, tous habits sont moqués en naissant, ben en yonso, papa, naïfs si chauffer na vie, tambola malamo. Claude Azana moisi Azana moana. Yo peu Azana moisi Azana bana misatu, ben monsieur Zawana bazawa célibataire. So Nazana quatre familles, na mutuna. Quand tu es grand, oso évacuer que oso porter charge. Abi batuana yonso bazana c'est nanga responsabilité nanga. Toza presité totamla malgré instruction wana satana monique ok batu le bazade mais a loqué rubrique ti mutu abime libiso na zamba. Quelqu'un nous est à Paris, sortons de la forêt. Abi naza fumu a dit je suis boulangi mufumu ntoto na bois babwala mukolo mabele malgré ça. Atako yango. Tozo kene. Soki jojo ya hefsinga na Motorola. Tozo na Motorola. Tozo komunike. Papa Ahmed alubi malembe malembe. Azo muna inabi. Boti kangani na malembe wana. Tozo koma. Paske na monike nuson far afar. Na bitumba. Na fren ekatani. Ekomi pla. Na
namutka epe ezopela lisuste. Mais ce qui est drôle, to komi maintenant lelo. Mécanicien a salé le côté alobia meka epeli. Go mutka epeli go. Ngandi na lobi o papa. Make ke epeli. Benga nan ba mécanicien ba ko tala parce que nazo banga peut-être o ko bana okende et frère zo simbate. Awa tozala kati ya ville. Mais yeba ke to ye na palais de marbre likolo ya montagne wana ti hein attention ti na kitambo magasin funa ezate mutu ke zokende na vitesse ama ezokende e ba 4 personnes mazana kati ngana zali boso nazo sambela nazo declare tozo koma kaka na destination ngonga e beti to porte mentalité de supériorité toye ba original mama zawana nazo declare tozo koma na destination. Destination. Tango ya zoloba malembe papa malembe parce que ngani na zobe na mango. Abi malembe moko ezawate. Na kanda même. Nazo répondre été avant nazo répondre tango azoloba na répondre kate silence. Mais bazo vibrer bango pe na mutuka et côté mama zo sala ya ye ngai na za concentré. Ngai de chauffeur ya bango yoso parce que ya bango ese kufa. Alléluia. Mais tu commis saint et sœur. Nazo kansa va témoigner ya ba koko na biso. Idaosa. Kabino esili a epsile non yo kené kota la double de porte. Nazo kansa papa dina ba. Nazo kansa témoigner ya ba tuana na bi biso pe tuzo koma na destination. Balinga balinga te tuzo koma na destination. Et to koma ki na ngolu ya zame. Yoka. Écoute-moi. Yamba ngolu ya ko porte. Mentalité ya origine bisiko usta. Denge mama lobi yamba ngolu wana ko porte mentalité wana. Défend toute épreuve. Mentalité na yo et ko fe yo surmonter. Parce que ozana zambe ya fantôme te zambe na yo aza réel. Il est plus que réel. Nazo yebate défi nini ozo leka na minute oyo. Junior dans quel défi na ye ko yebsa na sansa oyo. Je viens de lui rendre percée totale les appartages na yo. La percée totale. Percée totale les appartages na yo. Percée totale les appartages na yo. Na kombo na Yesu Masia. Yango il faut se référer na livre na biso. Voilà pourquoi nous devons nous référer. Ota la battu. Oyo ba lekina ba épreuve de la vie. Me basso monte ango et longo na zambe na bango. Daniel, Daniel ba comploté contre il complotait contre lui. Joseph. Joseph. Mais a longi yon sowana. Mais ils ont vécu toutes ces choses. Azana mentalité. Il avait la mentalité. Y a domination totale. La domination totale. Daniel, malgré que ba boake na la parole de Dieu dit, azo yip sa roi lobi le Dieu. Même roi y a lobi, est-ce que le Dieu que tu sers continuellement était capable de te sauver. Le roi vit à jamais. Je suis encore là. Je suis vivant. Lion wanabako kingaite. Parce que mon Dieu, que je sers avec sincérité, honnêteté, m'a sauvé. Yoka, zambe akokiko bimisa yo, na likama yoso. Soki yo zana, mentalité ya percé. Que quoi qu'il arrive, na kokoma na l'autre bon e ko sale mapona yo na lobi e ko sale mapona yo ko bosa na te alobi e sale mela yo lolenge odimi point ya suka c'est ta foi o ko surmonter ba épreuve yo so de la vie par ta propre foi. Tu vas surmonter les épreuves de la vie par ta foi. Yesu lui-même a dit et ça les melayo culte soit fait pas le lengue bando qui va projeter pas selon pas le lengue ya code ya libota na bino pas le lengue makabe comme li papa maman na bande ko na yo et ça les melayo le lengue yo ondimi et lo ko ondimi yangonde ko salema ondimi ke ko vivre ko kufate liwa e ko ya e ko beta. Est-ce que mutumoko a pambolami na butu ya lelo? Est-ce que mutumoko a za provoke na butu ya lelo? To beteli Yesu maboko makasi. Alléluia.
vana na place na yo lenge tuzozwa offrande betela yesu maboko makasi zambe apamula yo mama pona nirutu kitoko yo nous sommes bénis betela yesu maboko makasi nani apambola mina butu ya lelo qui est béni ce soir nani andimi ke sanza oyo za sanza na ya percé qui croit que c'est moi et son neko il faut boxa mutema na yo. Tu dois préparer ton cœur. Ce qui va te transformer ou ce qui va transformer ta vie est la parole, connaissance zoyamba. C'est la connaissance acquise qui va transformer ta vie. Alléluia. Amen. Abi mutuo yonde nako taizake azama yele oyo ayoki parole nangai. C'est lui qui entend la parole. A tiango en pratique et le met en pratique. Ne regarde pas ton obstacle. Ne regarde pas ton mur de Jéricho. Ne regarde pas cette mer rouge. Talande ke oza okatsi na ngambu kuna. Tu dois te voir à l'autre rive. Lobana zo katisa. Nazo katisa. Yoki Yesu tango asekwa ki, ça c'est notre nouvelle identité. Oyezande lo lenge asika oyo to koma bazo sambela il priait bamona ke a percé mur azana katina mango il ont vu percer le mur et s'est trouvé maintenant ça demande une ascension dans les révélations profondes oyezo senga komata na ba emoniseli ya mozindo niveau ya révélation zanango et qu'on détermine comment tu vas être révolutionné pour au matin à la dimension. Le niveau de ta révélation va déterminer le niveau où tu seras révolté. À ce niveau-là, ça c'est la transportation du Saint-Esprit lui-même. Au comme esprit pensamé, où il y a la tinsoto. Tu deviens certes un esprit qui a un corps. Mais tu as commis minimisé. Malheureusement, nous nous minimisons. C'est ça notre problème. Normalement, Ndeko. Normalement. Le lenge makambo sengela ke zala. Sengeli to arrêté. On devait s'arrêter. To garer mutuka quelque part. On devait garer. To yena nisan après bazonga na mboka soit bazangungu parce que bandite pour panzangungu. Ça commençait mais j'ai fait que déclarer. La bandeille kotatola. Tozokoma na destination. Que nous allons arriver. Tozokoma na destination. Nous allons atteindre la destination. Mutuka ezo pela esute. Le véhicule ezate. Mwinda ezate. Mais ozolwa. Tozokoma na destination. Mais je disais qu'on atteindra la destination. Alléluia. Et to commis sauf. Changer mentalité devant tout obstacle ou défi de la vie. Alléluia. Yeba ke ozana zambe munene balobi avec lui toutes les choses est possible à celui qui croit. Ndeko. Dans la vie spirituelle molimo ou physique to ya mosuni yeba ke connaissance et joue jouer rôle. Sache que la connaissance a un rôle à jouer. Niveau ya expérience nayo le niveau de expérience est lié na niveau ya connaissance révélation ozana yango. Au niveau de la connaissance que tu possèdes. Alléluia. Est-ce que nous devons pambola mina butu alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui peut nous soutenir? Tu peux lever de là où tu es, lève-toi. Dengi okoti awa na butu alléluia. Tel que tu es entré ce soir en ce lieu. Na déclaré to bandi longo sans ay à mois de juin. Nous avons commencé ensemble ce mois de juin. Na décrété percé eza partage nayo. La percée est ton partage. Ezala kana yo ezana domaine ya bafè, domaine ya libala, domaine ya santé na décrété percée à 100%. Na lobio dusola na nyoso. Ezala bongo pona batu bazolo ba amen wana. Na lobi percée ezala partage na yo à 100%. Que la percée soit ton partage à 100%. Ezala bongo pona batu bazoganga amen wana. Dengi ozo kende.
tel que tu rentres, n'a déclaré, je déclare, et n'a décrété, et je décrète, percée totale dans tout aspect de ta vie. La percée totale dans tout aspect parce de ta vie. Parce qu'il confirme la parole de son serviteur. Il accomplit ce que prédit son envoyé. N'a décrété percée à 100%. N'a lobby percée à 100%. Au nom de Jésus. Oyoki Sango. Tu as reçu la nouvelle. Moutouyon soit les caca. Merci. Moutouyon soit les caca. Tout le monde a des défis sangolo dans la vie. Le défi malgré qui chrétien nayo. Malgré ton état. Malgré qui parlait en langue nayo. Malgré le parler en langue. Mais il faut et le comment quoi côte awa. Tu dois avoir quelque chose ancré dans ta mentalité. Osa na mentalité renouvelée. Bisale na yé bongwana. Après l'ordre ya Yesu Masia ye moko. Ce qui y a percé. S'il a percé. Osa déjà na cortège wana. Sache que tu fais partie de son percé et ça partage na yo au nom de Jésus. Et na tomboli sensen na yo na maboko azame na butuale. Je brandis ta sensen devant Dieu ce soir. Ngolu la grâce. O ezo kule na kati na ye. Qui coule en lui. Na active ngo na zela ya sensen oyo. Je l'active par cette sensen. Aye, il est venu. Alobi suka tout est en... C'est-à-dire, a percé ma défi. Il a percé tous les défis. Oh yes. Et lui-même, Azana Kachinayo. Et lui-même se trouve en toi. Et la communion, il y a Zotonaina Makilanae. Par la communion de son corps et son Yambam Golou, il a percé total. Reçois la grâce, la percé total. Quoi que ce soit ton problème actuel, Atenini Likamunayo. N'a décrété percé Ponayo. N'a lobi percé Ponayo. N'a lobi percé total. O bota kate, ozo bota. O bala kate ozo bala. O sala kate ozo sala. Percé au nom de Jésus. Du sola. Na lobelio na kombo na Yesu Masia. Kende o percé. Va percé. Kende o percé. Va percé. Kende o percé. Va percé. Kende o percé ma limitation. Va percé. Kende o percé ma obstacle. Va percé les obstacles. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Azazambe zobate alobi. Balobi Merouz alobi bokatisa azali bomate. Il n'est pas stupide. Ayebi que percé c'est une possibilité. Ayebi que malgré obstacle liboso nayo. Bokende liboso. Avancer. Ba oyo bazana Yesu Masia. Ce qui ont Jésus-Christ en eux. Bazonga kasimate. Ne recule pas. Basonga kasimate. Il ne recule jamais. Comme maman dit, breakthrough na anglais. Opanzi, après au katisi. Breakthrough. C'est-à-dire, you break your way through. Hein? Briser et passer quoi? À travers. Briser et passer à travers. C'est-à-dire, vous avez un petit mon vitre. Mais vite, on va dire au Katsi. Alléluia. À partir maintenant, obstacle, mon côté, côté, le maliboso na yo. N'a déclaré, bah, obstacle, yo, se a converti na miracle, bon na yo. Bah, test, yo, se a converti na témoignage, bon na yo. Na combo na Yesu Masia. Cette sensen est béni. Sensen est béni. Est sanctifié. Et pour l'islam. Na commission gonzoto ya Yesu. Na makila na ye. À partir maintenant, onction de la résurrection. Et bien, on va manifester dans Zela na yo. Na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia. Kende percé et zonga na témoignage. Au nom de Jésus. Tosameli. Amen. Oui, le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce. Et la percée totale. Et la percée totale nous accompagneront tous les jours de la vie. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à l'éternité.